J'en étais sûre. Oh, oh punaise. Elle n'avait pas fait son nom. La maison de l'étoile. Ouais. Ouais. Ah, moi, je resterai. Ça a tout son charme. De attendez, vous n'avez pas vu le pire. Non, le pire, c'est pas ça. C'est là. Waouh, wow, c'est chaud là. Je reste pas très longtemps dans cette pièce, je te le dis. Ouais, t'as vu. Ça sent la toiture à faire ça. T'as vu les volumes? Non, non, non. Bon. Bah, elle est sur le point de tomber. Il y a un peu de taf. La poutre, elle est peut-être un petit peu interdite, mais elle pas, tu ne passeras jamais à travers. Oui, tu auras la tête de la poutre. Ça ne t'as pas plus grand chose. En surface, sur 2-3 cm, ça va être pourri, mais il faut ouvrir le terre comme ça, il faut des années. Oui, c'est du chêne. Tu vas ouvrir la cloison ou pas ici? Non, ici non. Ouais. T'as pas besoin. Non. Parce qu'après, il faut le chauffer. Ouais, bah oui. Là, c'est bien, t'as combien? T'as 2,80 minimum. Ouais. Je préfère quand même le plafond, je pense que. Ouais. J'ai pas envie de tomber, moi. T'as pas envie de tomber? Vas-y, Déborah, fais un plongeon là. Regarde la pierre que t'as. J'ai le vertige en plus. Ouais. Ouais, c'est vrai, t'as de la tomette là. Hein. Tu vas la garder. Bon, on va la garder. En fait, on va l'enlever, on va tout refaire, on va la stocker. Après, je sais pas si on remettra ça, mais on va. On la gardera quoi. Fais gaffe, il y a un trou là. Ouais, je l'ai vu. C'est pour ça que j'ai dit que tu peux le plafond. Regarde, il y a un trou. Ah, oui, d'accord. Parce que lui, il va pas. Là, je suis à 2,30. C'est mon moyen mémotechnique. Donc, t'as encore 70 au-dessus, t'as plus de 3 mètres sous plafond. Ouais, ouais, c'est haut, hein, t'as vu? Ce qui dit quoi? C'est que quand il a grossi, il s'est tassé. Donc, il a perdu un petit peu. Le budget! Là, attendez, les amis, là, je vais faire, je veux des pronostics. Et là, vous, vous estimez à combien la porte juste là? Genre vous mettrez combien dans la porte là, juste la porte là. Là juste la porte là. Attends, t'es pas en truc de bâtiment de France là. Non. Là, non. Moi j'ai déjà un devis, j'ai déjà une réponse. Et vas-y, dites-moi un pronostic. Avec ça au-dessus. Mais tu dirais 7000 euros sur mesure. 7000 en bois. En bois, ouais. En bois avec du fer forgé à l'intérieur, grosse boule, enfin. Un petit 10 000. Moi non, j'aurais dit. 10 000. Ah, j'aurais dit 5. En 5 fait, juste la porte. C'était 10 000 euros. Ah, et 12 000 avec la pause. J'ai gagné. Oh la vache. Tiens, t'as gagné la maison. Ouais, pour une porte, là, il y en a pour 9 000, 10 000, je crois que c'est ça. Les fenêtres. Ah, bah oui, elles sont grandes, les fenêtres. Mais nous, on va pas les la faire. Peut-être que la porte, on va quand même la faire poser. Mais non, on va le faire avec Valentin. Ah, bah oui, Valentin, oui. De ce projet-là que le mien. Ah bon? Ah, franchement, ouais. T'as vu, ça fait flipper un peu. Hein. En fait, je me dis, quand tu vas abattre, non, on a vu pied. Soit moi, c'est que en plein pied. Donc, limite, j'abats, je fais ça, ça tombe par terre. Ouais. Là, tu vas monter, quand je vois certaines. Ça, c'est mon rêve, les maisons de maître. Tu vas devoir abattre par. Enfin, non, tu vas abattre par en dessous. Mais quand tu vas faire pour l'étage du dessus, du coup, tu vas devoir. Bah ouais. Faire l'étage et seulement après le dessus. Ouais, c'est ça. Du coup, tu vas remplir l'étage que t'as fait en dessous, tu vois. Oh là là. Bon, t'es sûr que l'étage il est sécurisé? Non, il est pas sécurisé. Non, mais je vous garantis, il est pas sécurisé en vrai. Dans une vis à placo. Ah, il manque Marc, il est pas là? Ah, mais Marc, il est parti aux toilettes. Il pas sécurisé, mais. Mais là, on va ouvrir pour ça. Traverse, il y a la cave. Ouais, on va pas trouver, tu dois toilettes. On est nombreux, ça fait quand même 500 kilos là, passer. Et encore heureux qu'on fait la visite avant manger, sinon je passe à travers l'escalier. Mais par contre, je kiffe. T'es en train de tomber. Ouais. Bah oui, c'est la salle. Elle a commencé déjà à péter là. Ouais, Elite. Ouais. Non, faut pas y aller là. Ouais, par contre, faut pas étayer au moins en dessous de toi. Ah ouais, étaye. Hein. Ah ouais moi, ça me fait peur quand là, je vois là, là-bas à gauche. Quand ça commence à casser, faut étayer pour pas que ça te tombe. Tu étayes au moins, tu sais, tu mets 2-3 étés pour dire de soulever avec deux bastons. D'un coup, parce qu'une fois que ça tombe, ça arrache tout en même temps. On essaye de quelqu'un qui passe à travers les toitures. D'accord, merci. Mais même le plancher, y'a rien de droit. Tu laisses en comme ça, non? Non, là, on refait tout, hein. On refait ouais, tout. Là, pour moi, je pense que c'était grosses poutres qui ont bougé avec le temps. Ouais. Alors pour remettre ce mur. Non, et avant là c'était un mur en briques. Donc le poids qu'il y avait. Ouais, parce que là ça a l'air droit. Je regarde, ça m'a l'air même très très propre, très sain même.
Ouais. Voir là-bas, parce que je crois que c'est là-bas que t'as une sorte d'infiltration, non? Ouais, par là, ouais. En fait, il y avait une cheminée qui a été pétée, ils ont jamais recouvert. C'est pour ça que ça a tout bousillé. Bah, c'est con parce que. Ouais, bon, là, par contre, on peut même plus rentrer dans la pièce, quoi. Non, faut pas y aller. Déjà, là, on est nombreux, là, pour le même poids. Il y a un mur de soutien au milieu, mais. Rentre-toi en regard en plus, je passe à travers. Là, c'est chaud. Non, faut... non, là, on n'y va pas. Là, il faut étayer un petit peu quand même. Il y a un peu de taf. Parce que tu vas travailler, tu vas tout prendre sur la gueule. Là, oui, 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 là, c'est chaud. Hein. Allez pas là, vous n'y allez pas. Bah non, plonger, il est beau. Il s'est pas oublié sa culotte. Le plonger, il est trop beau. C'est à qui la De quoi, de quoi Le plonger, il était trop beau, c'est con. Ouais, c'est. C'était dans le plancher. Non, non, tu veux pas. Tu sais que ça vaut une fortune, ça. Le parquet, là. Mon avocat. Il y avait un parquet comme ça, il devait refaire 1 mètre carré, il y avait le devis le plus bas, c'était 8000 euros. Ah ouais? Pour du parquet comme ça qu'il y avait dans, une salle, dans sa salle d'attente. C'est ouf, hein. Ouais, je te connais. Ça coûte très très cher. Ouais, c'est ouf, hein. Bah, c'est une maison de maître. Bah ouais. Rien, un peu de boulot. Tu vois, c'est rassurant la fissure à l'escalier, là. Ça me donne trop envie de monter maintenant. Vas-y, va viens. On va voir si ça bouge. C'est normal que... Il a travaillé un peu, mais oh, putain, le bois, il est cassé, là. Mais ça tombera pas. Non. Oh, c'est quoi, histoire de c'est Mais tu sais que là, t'as le budget de mes 4 maisons plus mon hangar, ici. Bah, je sais pas, ouais. Un escalier, juste un escalier comme ça. Non, mais t'as vu l'escalier? Il est beau. Tu vas le refaire ou tu t'es pas changé là il... Bah on va essayer de... Bah justement je voudrais avoir l'avis de vous justement. Il est en pied l'escalier. Toi Marc tu ferais quoi toi? L'escalier? Ouais. Il est en pied? Je le referais oui. Je le referais oui mais il y a du travail. Il faut le dépasser. Et le refaire. Ouais. Tu sens que t'es en pied là? Ouais, là. Là en fait il est cassé là. Là. Et il penche comme ça. Il a pris en fait. C'est ça qui tient. Ça, c'est un escalier ancré dans le mur. En plus, ça. Oui, c'est des ancrés dans le mur, ouais. Je suis pas bien pour toi. J'avoue. Je te promets que j'ai peur de pas grand chose. Hein? J'ai peur de pas grand chose. Ouais. Mais là. Il y a du taf. Ah, ça me fait plaisir. Ouais, il y a du taf. Ouais. Je kiffe, moi, le taf, les amis. Moi, je reste pas trop longtemps. Bon, on m'insulte de fou, mais quand je vois ça, mais moi, je suis un petit jouet, en vrai. Toi aussi, t'as l'air petit jouet. Parce que moi, c'était peut-être impressionnant en gravat et tout, mais tout y est en plein pied, c'est assez simple à refaire, entre guillemets. C'est juste beaucoup de débarrassage. J'ai une cheminée, normalement. Moi, je regarde la toiture. Mais là, Ouais, il y a une cheminée, là. Ouais. Ta charpente, elle est propre. La charpente est propre, hein. Ça, c'est de la vraie charpente. Ouais, hein. Ça, on sera plus là, la charpente, elle sera encore là. C'est ouais. Consolidé, ça. Ouais. C'est pas du. Ouais. C'est pas d'origine. Bah, tu sais que là, déjà, pendant 3 mois, tu vas juste casser. Merci. Déborah, elle est pas bien. Mets plus par là. Ouais, bah, imagine, je passe par ma fenêtre. Mais non. Viens-moi. Tu veux faire du sol élastique, Déborah? Non, jamais de ma vie. Allez, Déborah, t'as vu pire. Regarde la hauteur qu'il y a quand même, mine de rien. Là, on est sur le plancher. Ah ouais, j'ai pas le vertige, donc... Non, mais t'as vu quand même. Bah, en fait, t'as acheté un immeuble, c'est ouais, ça. C'est un appart, et là, tu mises en fils, mais avant, c'est parti. Mais avant, t'es pour ça qu'il y a 3 compteurs. On va aller manger un bout de pain et puis on va attaquer. Exactement. Putain. Oh la vache. On va prendre des forces et puis on va péter. J'en ai fait des maisons avec mon père. Ouais. Des ruines, mais des trucs pourris on a acheté. Ouais. Mais tu vois, mon père m'a dit j'étais un fou quand j'ai acheté mon projet. Il m'a dit jamais de la vie aurait acheté ça. Je crois qu'il n'y a pas vu ici. Oriane, il y a un slip par terre là. Bah oui. Ah, c'est moi, je me suis chié dessus, désolé. Ah, d'accord, tu laisses traîner tes slips. Ah, bah j'ai dit, de toute façon, vu ce que j'ai fait dedans là, quand j'ai vu ta maison, il est plus utilisable. Vincent, Déborah, Marc et Sandy ont vu la maison. Ils ont kiffé ils la maison. Ils sont barrés en courant. Voilà, et ils sont barrés en courant. Ouais, merci. Et franchement, du coup. À l'année prochaine. Ouais, ils ont kiffé. Et du coup, je me dis, ça me rassure. Mais d'un autre côté, ils disent qu'il y a du boulot. Alors, du coup, je suis pas trop. Je sais pas combien de mètres il y a, mais franchement, il y a de quoi faire. Allez, on commence à être en action.
Action. Attends, ça tombe sur le plancher. Ouais. On aurait dû enlever le plancher avant. Ouais. Parce que tu vas tomber d'un coup. Ouais. Mais c'est marrant, y'a rien qui tombe, c'est quoi le bordel? Il tape mais y'a rien qui tombe. Non, y'a une planche en bois. Attention. Tu vas en dessous, regarde, y'a une planche en bois. Ah, mais j'entendais des trucs tomber quand même. En fait, attends, j'attrape ça. Ça risque de faire blanc d'un coup, tu vois. Ouais, tout va tomber d'un coup, ouais. Donc toi, tu vas doucement, je te connais. Oui. On passe pas entre les deux. Ouais. Ouais, intérieur. Y'a de la belle brique à récupérer. Ah bah oui. Fais attention. Ça tombe dessus. Oh les amis. Au-dessus. Regarde, t'as des pierres qui tombent. Quand il va aller attaquer le plancher là-bas, y'a tout qui va descendre. Ah ouais, c'est ça. Ici, tu fais gaffe, ça te tombe dessus. Ouais. Projette par mais pourquoi tu fais pas de l'autre côté? Faut faire dans le sens. Il y a la plaque qui est là. Vas-y, t'inquiète, il y en a déjà un gros bout qui est tombé comme ça. Regarde, ça fait là. Attention, hein. Bon, je vais casser quand même. Attention à toi. Oh, oh, putain, là, on va atterrir en premier. Allez, Charlotte. Oh la poussière! Tu fais mieux que moi ou pas? Parce que là il est entier. Allez, vas-y, vas-y! Oh la vache! Attends! Voilà. Donc on est avec Marc. Il va nous faire tomber ce magnifique poteau de bois. Oh, là il va rentrer! Direct, facile! Ouh. Aucun mérite, facile! Là tout de suite on a récupéré 30 mètres carrés. Voilà! Je vais peut-être ouvrir un peu là. Bah quoique, il n'y a plus de carreaux. On va ouvrir les fenêtres pour ventiler, mais il n'y a plus de carreaux. On va peut-être enlever un peu de gravats devant. Non. Tu veux un coup de main pour faire tomber un mur, non? Regarde, c'est pas la même. Hein. Là, il y a du poids, là. Je sais pas si tu fais une suite parentale ou quelque ouais, chose. Ouais, ici on va faire une suite parentale. On va faire une salle de bain de ce côté-là, ouais. Ah ouais, ça. Avec notre chambre sûrement ici, on avait dit. Là en plus, t'as deux fenêtres traversantes et tout, ouais, ça fait un. Ouais, t'as carrément. Deux entrées. Ouais. Bon, tu peux peut-être en condamner, mais. Franchement, il y a de quoi faire. C'est pas mal, hein. C'est bien, hein. Ouais. Ouais, nous on voit, c'est les filles, regarde. Ouais. Allez hop. Allez hop là. Au boulot. We'll be right back.
Les gravats qui commencent à s'empiler. Ouais. Les gravats. Et là, c'est juste un petit mur qui commence à s'empiler. Quand il aura pété tout le reste, il verra peut-être plus la fenêtre, en fait. Ouais, j'avoue. Eh, les amis, ce plafond-là, quand il va le faire tomber... Eh, moi, je suis pas là, le jour-là. Parce que là, les grosses poutres qu'il y a et tout, qui vont descendre, il va falloir y aller mollo. Parce qu'au-dessus, il y a une salle de bain et tout, et puis plein de briques, plein de poids, en fait. Donc, c'est ça, le problème. Ça serait juste un faux plafond à faire tomber, ça va. Mais il n'y a pas que ça au-dessus. Ouais, et du coup, là-haut, regardez tout ce qu'il y a. La bouche, là. Moi, j'y suis déjà allé à la fenêtre. Regarde. Regardez-moi ça. Le mur, l'ancienne cheminée, la charpente qui est là. Là, quand il faut faire tomber tout ça, il va falloir essayer de débarrasser gentiment pour pas que ça tombe. Mais là, comment on va ? Hauteur. Coucou. Coucou. La hauteur qu'il y a, c'est impressionnant. La même si allez descendre là-haut. Ça fait là les amis de cette hauteur là, on est du coup ici sur la devanture de la maison, en haut où il y a la dernière fenêtre à l'étage en fait. Ça fait une belle hauteur, hein, vous avez vu. Et bien monté là. Regardez de là. Il reste des briques. Regardez cette hauteur des marches. Là, tu tombes, t'es mort en bas. Là, le garde-fou, il lâche. Alors, si tu tombes ici, ça va, mais si tu tombes pas le bol entre les deux, jusque là en bas, hop, hop, hop. Franchement, il y a quand même pas mal de hauteur. Vraiment une très belle hauteur. Et pendant ce temps-là, les amis, regardez là-bas. Je sais pas si vous le voyez. Charlet, en train de faire joujou, avec sa petite télécommande, là, tranquille. Hein, pendant que nous, on est en train d'en suer. Tranquille. Merde, il est là. Hein, il croit qu'on ne le voit pas, hein. Il est en train de faire joujou avec ses petits jeux. Tranquille. Non, je plaisante. Il faut bien des images pour que vous puissiez voir ce qu'on fait. Mon petit chat, il dit... on n'est pas chez nous là, on fait pas de rendu de la mi-journée de travail. On n'est pas chez nous là. Alors les amis, vous avez vu, du coup on a pu péter le mur. Mais on n'est pas chez nous. Ah non, c'est pas chez nous. C'est pas chez nous, on laisse la place à Charlie et Charlotte. C'est malheureux, mais c'est vrai que c'est pas chez nous. Ouais, ça a été une belle maison. Ouais. On aurait pu faire quelque chose de bien, pas mal aussi là-dedans. Ah ouais, un peu de temps. Qui fait avoir ça? Ah ouais. Hein? Ouais. Allez, go. Go, go, go. Merci Marc et Sandy de venir. Merci beaucoup pour votre aide et d'être venu nous voir. Ça nous a fait très plaisir de venir et de voir surtout ce fameux chantier. Putain de chantier quoi. Ouais. Truc de fou. Et en plus le truc qui est ouf c'est que du coup c'est le jour
où la vidéo de ce nouveau projet est sortie, donc vous n'avez même pas vu la maison en vidéo avant, vous l'avez vu direct. On est arrivé ce matin, la vidéo est sortie, on ne l'a pas vue. Donc on l'a vue en exclusivité, en vrai direct. En live. Et franchement, Franchement, je suis trop content de les avoir rencontrés en vrai. Franchement, ça fait bizarre toujours de voir sur YouTube les gens, les abonnés, les autres YouTubeurs et tout. Et là, franchement, se voir en vrai. Bon, tu vois, par exemple, en fait, il est grand lui, tu vois. C'est des détails, mais en vrai, c'est marrant. Parce qu'en fait, il est trop grand, Charlie. On est arrivé, on a fait il est trop grand. Non, mais en vrai, merci franchement d'être venu nous aider. Franchement, c'était trop bien. Nous, ça nous a fait très plaisir. Ouais, franchement, ça nous fait trop plaisir aussi. Nous aussi. Salut les amis. Bye bye. Ciao les amis. Voilà, donc on voulait faire cette petite vidéo de fin pour franchement remercier leur venue à Marc, Sandy et Vincent et Déborah. C'était vraiment trop cool. On les remercie du plus profond du cœur. Ouais, franchement, ça a fait super plaisir de les rencontrer. Ce qui est incroyable, c'est que ça faisait pas si longtemps que ça qu'on s'écrivait et tout. Puis on s'est vus assez rapidement, donc c'est un truc de ouf. Et le courant, il est passé comme si on se connaissait depuis toujours, quoi. On avait 10 millions de choses à se dire, on était des vraies pipelettes, quoi. Ils sont vraiment passionnés de rénovation, qu'on avait tellement de points communs. Effectivement, on n'a pas vu le temps passer, quoi. Et d'ailleurs, on vous invite fortement, on vous recommande fortement, presque on vous oblige à aller voir leur chaîne YouTube parce que franchement, ça vaut le coup. C'est des projets qui sont vraiment différents des nôtres, mais si vous kiffez nos vidéos, franchement, on vous conseille vraiment d'aller y faire un tour. Il y a la chaîne de Marc et Sandy, la chaîne de Vincent et Déborah, c'est Couille Molle Custom House. Mais de toute façon, on va vous mettre les liens en barre d'infos. Comme ça, vous aurez juste à aller voir à la fin de la vidéo et puis cliquez dessus. Et donc voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. La semaine prochaine, on continue les travaux. On va bientôt officialiser vraiment le début du chantier. Parce que là, moi actuellement, j'y vais tous les jours. Et franchement, comment je kiffe. J'entame les priorités, j'en dis pas plus. Comme ça, vous pouvez aussi vous abonner pour suivre l'aventure avec nous, hein, Flabius. Oui, et puis moi, on y était aussi beaucoup tous les deux en tout début de vraiment début de chantier parce que j'étais en vacances aussi, quoi. On va la refaire, tu vois, là. On savait pas ce qu'il fallait faire, en fait. Ouais, bah non.